Une stratégie, c'est pas très compliqué à mettre en place. Quand on fait un peu de sémantique, la stratégie, ce n'est ni plus ni moins que le plan d'action d'une intention qu'on a. Pour les dirigeants, il est plus qualifiant et plus important de travailler sur l'intention que sur un plan d'action. Les dirigeants, ce qui est important, c'est de s'assurer que le plan d'action soit exécuté, ce qui est autre chose. D'où l'importance pour nous de passer de la stratégie, donc d'un certain nombre de grandes lignes, à l'engagement des individus, et on le verra dans certains facteurs de succès, à l'exécution. Pour ça, on a choisi de faire des choses assez simples, qu'on peut trouver dans beaucoup d'entreprises. On a décidé d'avoir un certain nombre de ce qu'on a appelé des piliers stratégiques qui allaient être utilisés systématiquement, pas simplement dans la com, mais chaque salarié doit avoir des objectifs qui rentrent dans une des cinq boîtes. Si ça ne rentre pas dans une des cinq boîtes, on se moque de l'objectif. C'est là qu'il faut aussi faire du tri. Je sais les gens, oui, mais tu comprends, vous êtes obligé d'aller sur des solutions extrêmes. Ça ne rentre pas dans la boîte, on ne veut pas en entendre parler. Vous voulez le faire, vous le faites en plus de, mais pas à la place. Alors ça prend du temps. Surtout avec les managers qui ont tous des avis différents, généralement. Premier pilier, assez simple, par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur pourquoi la transformation. Il faut qu'on fasse de la croissance de notre revenu avec des volumes, ce qu'on appelle des bons volumes, donc des volumes profitables dans notre jargon. Si vous avez une guerre des prix, vos volumes ne sont pas profitables. Donc le message ici, c'était une croissance pour les vendeurs, entre autres, qui n'est pas la chasse au volume, mais la chasse à la qualité du volume, ce qui est très différent. Deuxième élément, il faut qu'on crée de la différenciation avec notre marque. On a installé une deuxième marque pendant ce plan de transformation qui s'appelle Interent, marque low cost. Pourquoi? Parce que comme on avait une demande des intermédiaires sur le web pour des prix bas, on ne peut pas se permettre de le faire avec Europcar. Sinon, vous perdez de la valeur sur le segment premium de la marque. Donc, vous êtes obligé d'installer une alternative. Donc, on a installé Interent, qui doit faire ça. Et puis, il faut qu'on travaille sur l'expérience client, qui doit être, comme on dit, extraordinaire. Troisième pilier, c'est l'amélioration de notre position coût, puisqu'on a dit qu'il fallait qu'on génère des ressources, qu'on génère du cash. Et il faut qu'on améliore la flexibilité de notre modèle, qui est un élément extrêmement important, puisqu'on a une forte saisonnalité dans les pays du Sud. Donc il faut qu'on soit capable de mettre énormément de voitures en été et très très peu au mois de janvier, au mois de février. On a des variations de 1 à 4 en volume d'activité entre des mois bas et des mois hauts. Et quand vous savez que vous devez acheter les voitures, il faut plutôt éviter de se tromper sur l'achat des voitures en termes de nombre, à la fois si vous en manque ou si vous en avez de trop. Donc c'est un exercice qui est assez compliqué. Le point suivant, c'est d'optimiser l'allocation de notre capital. Comme on n'a pas beaucoup d'argent, on est obligé de faire de vraies priorités. Donc seuls les vrais projets passent la barre. Alors ça aide beaucoup. Parce que quand vous avez beaucoup d'argent et que vous ne savez pas quoi en faire, souvent les tris sont assez simples. Ici, on est obligé de faire des tris extrêmement drastiques par rapport à ça. Et puis le dernier point, c'est d'améliorer notre efficacité organisationnelle. Et c'est dans toutes ces parties-là qu'on retrouve les dimensions que j'appelle RH. Mais on a volontairement choisi de travailler en communication sur l'amélioration de l'organisation plutôt que de dire on travaille sur le bien-être des salariés.